Oh, attention, Piastri. Russell. Le cutter énorme, évidemment. Bah, il rend la place, hein, Russell. Ah, il perd trop de place, là, du coup. Bah, Allez, Lewis, laisse passer Hamilton, là, Russell. Tu fais de la merde et tu laisses passer, voilà. Voilà. Je serais très en... Oh, il a failli emplafonner Piastri, hein, George, là. Hein. Bon, évoquons le cas George Russell très vite. J'ai pas 36 000 trucs à dire. Encore une fois, il se rate. Donc, au départ, comme on a pu voir. Maintenant, c'est bien beau de parader, de faire la P3 en qualif. Si c'est pour faire ça au premier virage, être à la limite de cracher les mecs de devant. Bon, je vous mets pas la vue extérieure parce que je sais que ça strike un petit peu la Formule 1 quand même. Mais bon, avec le onboard, c'est très parlant déjà. Il a failli se bouffer Piastri. Donc maintenant, Georges, c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bon du tout. Et il fait perdre des points à Mercedes, et il fait gagner des points supplémentaires à Verstappen parce qu'il n'arrive pas à finir devant lui, quoi. Donc ça va pas du tout, j'en ai marre de George Russell. On nous le vend comme étant le nouveau Lewis Hamilton, comme étant le renouveau, le leader de futur de Mercedes. Mais Lewis Hamilton, justement, il ferait pas une telle erreur, en fait. Ça, c'est des erreurs de rookie. Je suis désolé, c'est des erreurs que pourrait faire Antonelli, par exemple, mais pas un pilote d'expérience comme George Russell. Donc, c'est bien beau de parader, faire P3 en qualif, c'est bien, ok, d'accord, mais c'est pas en qualif que tu marques des points. Donc, George Russell, carton rouge pour ce GP à Monza.